Jean Gagné, je suis le propriétaire, puis avec une autre personne, avec Alain Lavoie, du Centre équestre des Plateaux. Puis nous, on fonctionne à l'année ici. Ça fait déjà 18 ans cette année qu'on entreprend notre beau rêve qui est le Centre équestre des Plateaux. Fait que on fonctionne à l'année. Les quatre saisons sont très, très, très belles. Il y a la saison estivale que, du printemps jusqu'à l'automne, lorsqu'on fait des randonnées équestres de demi-journée jusqu'à plusieurs jours. Et après ça, en hiver, on fait du barlow et de la randonnée équestre, qui est une randonnée environ d'une heure. Puis on découvre aussi la nature en hiver. Fait que vous êtes les bienvenus au Centre équestre des Plateaux parce que Lac-Saint-Jean, c'est un village qui est patrimonial, qui est reconnu à travers le Québec. Fait que notre créneau, c'est le plein air. Il y a beaucoup d'activités. C'est toutes des entreprises de PME qui fait que ça fait un charme, d'ailleurs, qui est Lac-Saint-Jean. Bienvenue à Lac-Saint-Jean. Bienvenue au Centre équestre des Plateaux. Partir à cheval en hiver, c'est toute une aventure aussi parce qu'on ne pense pas qu'on peut faire d'équitation en hiver. Mais les chevaux sont habillés pour faire des randonnées équestres l'hiver. Ils ont des grands robes, des tresses à poil. Fait que nous, ce qu'on fait l'hiver, c'est des randonnées on entretient des chemins qui durent environ une heure d'entretien. Puis comme vous voyez, le chemin ici, c'est fermé l'hiver. Fait qu'on a un bout en motoneige à faire, un kilomètre, puis on s'en va dans la forêt. Et après ça, on fait une randonnée qui dure une heure. Et en même temps, ça peut être aussi pour les personnes âgées et les enfants en barlow. C'est au Québec, 6 mois de neige par année. Fait que c'est comme moi, je suis né au monde ici. Ça fait que ça fait partie de notre culture, la neige. Les chevaux, ça fait partie de la culture. Puis d'ailleurs, depuis pas loin de 400 ans qu'il y a des chevaux au Québec, là, quasiment. Là. C'est des cultivateurs qui avaient des chevaux. Ça fait que les chevaux, la race canadienne, était adaptée par rapport à notre climat qui est le Québec. Ça fait que, c'est pour ça qu'on les appelle les Canadiens. Ça fait que vive l'hiver, vive le plein air.